Ok, je pense qu'on va mettre fin à cette attente assez longue de près de 15 minutes désormais. Amis téléspectateurs, bonjour, bon après-midi. Bienvenue dans cette autre édition de Confiné Tour à Tour. Après Haroun Andang de Bampos de Bouddha, après le coach Richard Toa, entraîneur de l'Union Sportive de Douala actuellement, on va prendre tout de suite le capitaine des Nassara Gamakai et vice-capitaine des Lions Indomptables A', Samuel Lain, qui est avec nous dans cette autre édition, dans cet autre programme de Confiné Tour à Tour. On parle effectivement de confinement à la suite du coronavirus, ce Covid-19. Toutes les activités ont quasiment été arrêtées et le football en particulier a été stoppé, raison pour laquelle désormais nos sportifs sont à la maison et nous avons décidé, autant que faire se peut, d'aller les rencontrer à domicile. Et pour cet après-midi, il a eu la gentillesse, l'amabilité, Samuel Lain, de nous ouvrir les portes de chez lui. Il est confiné, comme on peut le voir, il est à domicile. Nous sommes bien installés dans ses fauteuils. Et comme il l'a fait, moi également, je vais le faire, puisque ce sont les mesures d'hygiène à respecter. Avoir un gel hydroalcoolique, mesdames et messieurs, pour vous permettre d'éloigner autant que faire se peut ce virus. Il faut constamment, quand on peut, et bien effectivement, se laver les mains, il faut se les désinfecter, pourquoi pas. Et désormais, depuis ce lundi, c'est obligatoire. C'est vrai que pour le direct, nous n'avons pas nos masques, mais rassurez-vous, chacun de nous a bel et bien un masque. Je vais également me prêter à cet exercice qui est désormais naturel. En le faisant, je vais dire bonsoir à Samuel Lain. Merci de nous avoir reçus chez toi, Samy. Bonsoir, frère, bonsoir. C'est un grand plaisir que vous soyez à mon domicile. Qui sont en train de nous suivre, je profite aussi pour leur donner, pour leur passer mon bonsoir. C'est vrai qu'ils sont nombreux et depuis ce matin, les téléphones ne cessent de crépiter. Est-ce qu'on aura effectivement Samuel Lain en direct? Eh bien, nous avons bel et bien Samuel Lain en direct avec ce confinement, avec cette maladie. Il faut des désormais, avec cette pandémie, avec cette nouvelle façon de vivre là, je te connais, je sais que tu aimes bien le foot. La preuve, dans ton salon, on a vite fait de trouver un ballon de foot. C'est dit que tu gardes ce ballon à côté de toi comme un bébé. On sait que tu aimes le foot, on sait que tu aimes le ballon. Tu aimes l'avoir sur un terrain de foot, mais désormais, ce n'est pas possible pour le moment. Est-ce que toi, tu n'es véritablement pas dérangé? Tu n'es pas mal à l'aise avec cette situation? Oui, déjà, comme vous l'avez si dit, c'est mon métier. Et après, je suis dérangé du fait que je ne sois pas sur un terrain de football. Et ça me dérange. Pour moi, je dirais que ce n'est pas une satisfaction. Mais après, vous savez, tous ceux qui sont en train de subir sur cette maladie, après c'est pour une bonne cause, donc le plus important c'est de respecter ce qui est mis en pratique. Voilà, ce qui est mis en pratique, ce sont surtout les mesures du ministre, du premier ministre chef du gouvernement, qui a donc décidé de permettre à tous les Camerounais de rester à la maison, qui a la volonté d'éradiquer au plus vite cette maladie, cette pandémie, qui a cette volonté-là et qui désormais a décidé depuis ce lundi que le port du masque était obligatoire sous peine de pouvoir bien évidemment se voir être sanctionné financièrement pour éviter d'être sanctionné, mesdames et messieurs. Il vaut mieux pour ce qui est du Cameroun, parce que vous nous suivez au Cameroun et au-delà, il vaut mieux avoir votre masque à votre portée. Samy, aujourd'hui, c'est une situation qui n'est
peut-être pas évidente pour tout le monde, tu l'as dit, mais surtout pour les footballeurs que vous êtes désormais avec le club, puisque on va aborder le sujet des Lions tout à l'heure. Avec le club, comment est-ce que le travail se passe? Est-ce qu'on a simplement décidé de vous laisser à la maison, ou alors il y a des mesures qui vous sont données, notamment par le coach qui vous suit depuis le début de cette phase retour, le coach Richard, toi qui es l'entraîneur en chef de l'Union? Est-ce que vous discutez avec lui? Est-ce qu'il vous donne un programme de travail à la maison? Oui, déjà, le club l'a annoncé dans notre site. Le club l'avait annoncé dans notre site, et puis vous savez, et le coach nous a donné un programme à suivre. Donc il y a des travaux qui sont mis en place pour que nous essayons de rester au top, parce que nous sommes professionnels, et je pense que je suis en train de mettre cela en pratique. Personnellement, déjà, c'est vrai que j'ai la chance de te suivre sur tes différents réseaux sociaux. Il y a le confinement, il y a la possibilité de sortir, mais tu le fais uniquement, je peux le voir, quand tu vas travailler avec quelques coéquipiers. On a quelques, notamment René Di, le Bamdos de Boulay, avec qui vous êtes également coéquipier en sélection A prime. Ça permet tout de même de garder la forme, du moins. Ouais, déjà, vous savez, il faut d'abord qu'on prenne des mesures, comment dirais-je, des mesures de prévention. Et après, il y a certains coéquipiers où quand on se donne rendez-vous, et après, comme je dis souvent, il faudrait que chacun prenne des mesures. Je pense que jusqu'ici, nous sommes en train de prendre ces mesures pour éviter que... Parce qu'on ne saura jamais où la maladie viendra, mais nous prenons des précautions. À ce ballon que je suis aujourd'hui, je peux dire ce que je suis. Donc, si je ne suis pas en forme, je ne pense pas que je donnerai les performances qu'on attendra de moi. Et pour cela, je dois travailler de jour en jour pour que je puisse être au top de ma forme. Être au top de ta forme, on va profiter, on parlait de tous les internautes qui nous suivent. On va dire bonsoir à Edgar Chali, Nwensa qui vous passe également le bonsoir. Bonsoir. Tout comme Yvan Diessé, qui est en train de suivre avec nous ce direct, qui est un joueur que vous connaissez, avec qui vous avez évolué du côté de l'Union Sportive de Douala. On a notre ami Volume de Jeu qui demande pourquoi est-ce que nous n'avons pas de masque. On l'a dit uniquement pour le direct, pour vous permettre d'écouter convenablement ce que nous sommes en train de dire. Nous avons retiré nos masques, mais rassurez-vous, nous les avons bien. On reste à l'Union de Douala d'abord, désormais. Avec l'entraîneur, vous avez dit, mercredi dernier, nous étions chez le coach Richard Towa, c'était mardi. Il nous a beaucoup parlé de la relation que vous avez personnellement, particulièrement, vous et lui. Il vous a découvert il y a près de 10 ans, vous avez travaillé ensemble. Il vous a sélectionné déjà chez les Lions de moins de 17 ans. Vous avez eu la possibilité d'évoluer dans d'autres sélections nationales ensemble. Aujourd'hui, il estime simplement que c'est un véritable plaisir de vous retrouver au sein de l'Union de Douala, parce que le fait que vous vous connaissiez déjà est un plus pour cette formation de Nassara Gamakai. Ouais, je dirais que le coach Richard, c'est un papa. Après mon papa adoptif, je dirais que c'est lui. Parce que c'est grâce à lui, c'est l'une des personnes en fait qui a fait en sorte que je puisse être comme je suis aujourd'hui. Je ne cesserai jamais de le dire, parce que comme on dit, le bien fait est bien. Nous sommes nombreux qui sont passés dans ses mains. Je citerai quelques noms. Il y a Christian Bassogo, Baïzo Olivier, Noutolo, Koundé Malon, André Onana, Ondoa. Il y a plus qui sont avec les... On a été surpris même de savoir que c'est lui qui a découvert Arunandan, qui le fait aujourd'hui évoluer. Et notamment un autre coéquipier avec vous, Serge Andolo. Oui, donc nous sommes nombreux. Donc je dirais que le travail qu'il a fait, en fait, c'est un gros travail. Je ne dirais pas, je ne vais pas le faire juste pour le plaisir, mais ça sort pour le fondement de mon cœur, parce qu'il sait l'amour que je porte, que j'ai dans mon cœur. En dehors qu'ils sont entraîneurs de l'Union de Douala, pour moi, avant qu'il soit dans les clubs où il est passé, avant d'arriver à l'Union de Douala, je parlais toujours avec lui. Il me disait toujours que, fils, j'aimerais que tu atteignes la barre
du top. C'est-à-dire, son souhait, c'est de me retrouver comme il me dit. Parfois, je vais lâcher une blague. Parfois, aux entraînements, il me dit, hey, je veux que tu signes professionnel. Et moi, je veux aussi que tu sois avec l'équipe nationale A. C'est l'un de mes souhaits. Bon, après, vous savez, quand le sélectionneur fait ses choix, il fait ses choix et on respecte. Donc, aujourd'hui, c'est un père, c'est je ne sais pas quoi dire vraiment, mais il sait l'amour que j'ai pour lui. Et je profite aussi pour dire vraiment le travail qu'il a bas pour les jeunes comme moi, qui sont aujourd'hui professionnels. Pour moi, c'est un grand plaisir. Je le dis vraiment avec le cœur ouvert. Pour moi, c'est une satisfaction qu'aujourd'hui, la majorité sont professionnels, ceux avec qui j'ai commencé avec les moins de 17 ans. Et après, nous sommes montés avec les moins de 23 ans, aujourd'hui, qui sont professionnels. Nous sommes souvent, après on se raconte souvent, vraiment c'est une joie pour lui. Donc je dirais vraiment chapeau au coach Richard. Avant le coach Richard Toa, vous avez été à l'Union de Douala, vous restez à l'Union de Douala. L'Union de Douala est désormais, lorsqu'on parle Union de Douala, qu'on le veuille ou pas, il y a forcément le nom de Samuel Lin qui revient. Vous êtes capitaine de l'Union de Douala aujourd'hui. On se souvient que vous avez fait un très beau retour dans cette formation. C'était lors de la saison avec le coach Diallo Siwa en 2015, où on estimait que vous étiez une bande de bébés, de gamins qui ne pouvaient pas tenir. On vous a d'ailleurs surnommé à cette époque-là l'école primaire de Bepanda. Mais vous avez prouvé qu'il y avait de la qualité. Depuis lors, vous êtes resté à l'Union de Douala malgré les sollicitations déjà sur le plan national. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans un autre club ou alors qu'est-ce qui vous motive de rester à l'Union de Douala? Ouais, déjà, comme vous constatez, cette photo elle date de 2015. Ouais. Si vous me permettez vraiment. Cette photo date de 2015. Si la caméra peut aussi bien filmer. Là, on a le président. On va la retourner. Ouais, là, on a le président Franck. Ouais. On a le directeur sportif. Coloco. Qui est toujours là. On a l'un des doyens des supporters, les doyens comme on les appelle de l'Union sportive. Il y a plein de collègues avec qui on était ensemble aujourd'hui. Il y a la majorité sont professionnels aujourd'hui. Comme j'ai dit, pour moi, c'est une grosse satisfaction. On va citer notamment Mohamed Djeté, Kombi Manjan, qui est professionnel. Il y a Serge Seko qui est professionnel. Il y a Nguéa Franck qui est professionnel. Il y a Olivier Baizo. Ils sont nombreux, je ne peux pas tout citer. Ouais. Et sans oublier Stan Collymore, vraiment, qui est dans le staff aujourd'hui pour moi, qui est comme un conseiller. Vraiment, quand il y a certaines décisions, il m'appelle, il me dit, bon Sam, je pense que tu ferais comme ça, parce que lui aussi, il a été capitaine dans l'Union de Douala. Il y a le grand Gustave Mundi, à qui je dois vraiment du respect. Ils sont nombreux. Donc, je dirais que cette année, c'était une année vraiment... C'est pourquoi j'ai choisi cette photo. J'ai choisi de vous la montrer. Et surtout, permets que je puisse le dire. C'est vrai que j'ai la chair de poule déjà. Sur cette photo, nous avons quelqu'un qui n'est plus parmi nous, le coach Diallo Siwa. Ouais, le feu coach Diallo, c'était aussi quand même papa à moi. Parce que si je suis à l'Union aujourd'hui, je pense que c'est grâce à lui. Parce que j'ai eu... Je ne dirais pas... un échec, j'ai eu un problème quand j'étais du côté du Portugal. Quand je suis rentré, je crois que j'ai fait deux saisons sans jouer. Il m'a vu, il m'a dit, petit, je ne veux pas que tu restes à la maison, j'aimerais que tu viennes travailler avec l'Union. Je pense qu'à cette période, je ne dirais pas que j'étais désespéré parce que je jouais la Ligue qui est, je crois, la quatrième division ici aujourd'hui. J'ai fait certaines bonnes prestations. Après, il m'a dit, c'est pas ton niveau, j'aimerais que tu viennes à l'Union de Douala. C'est vrai, j'avais des kilos. Je pense que j'ai joué que la phase de tour, j'ai claqué 12 buts en 12 matchs. Donc, c'est grâce à lui que je suis à l'Union jusqu'à aujourd'hui. Et je profite pour vraiment où il se trouve. Vraiment que le Seigneur lui accorde de ses grâces et qu'il soit vraiment près de lui. J'ai le président Franck, comme j'ai toujours dit, c'est un grand monsieur, un monsieur au cœur ouvert, qui écoute, à qui je dois du respect. Pour moi, qui est, comme je dis tous les jours, un papa aussi, un grand frère, parce qu'il sait m'écouter et c'est réciproque. Donc je profite en même temps pour lui dire,
Bonjour président. Le coucou. Donc, pour moi, c'est une satisfaction vraiment. Et cette équipe m'a donné beaucoup de souvenirs. Quand je vois la majorité aujourd'hui sont professionnels, c'est une grosse satisfaction pour moi. Le respect reste, l'harmonie reste. Parfois, on s'appelle, on fait des directs ensemble. C'est un plaisir. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas s'il est dans cette formation de 2015, mais il est en direct avec nous. Il a d'ailleurs passé le salut. C'est Franz Pangop qui est désormais du côté des États-Unis, qui nous regarde en direct et qui dit le joueur confiance, mon gars. On va saluer également Eric Kamgang, qui trouve que Samuel Lin est resté très humble et qui dit que c'est une affaire d'organisation et de professionnalisme. Merci bien. Merci également à Désiré Dikoumé qui nous regarde. Après 2015, vous claquez 12 buts en 12 matchs, notamment ce fameux coup franc face à New Star lors de la dernière journée. Même si l'Union passe à quelques centimètres seulement du titre, vous ne vous êtes pas découragé. On a eu une très belle équipe de l'Union. Et derrière, l'année qui suivait en 2016, on est passé de cette photo à celle-là. Avec les Lions A prime, le Chan, c'était du côté du Rwanda, si je ne me trompe. Si. Un but de Samuel Lin qui jusqu'aujourd'hui continue de faire le tour des médias. C'était face au Congo. Ce joli ballon piqué. Ouais, déjà, pour moi, ça a été encore une satisfaction parce que vous voyez, cette équipe, nous étions, je crois, il y a Kombi Manjan, Mohamed Djété et moi, nous sommes trois joueurs de l'Union. Comme j'ai dit, l'Union, c'est une grande équipe, c'est une équipe de rêve. Comme tous les jeunes veulent, comme le Real de Madrid, comme peut-être Manchester City, j'ai en cité Paris Saint-Germain, donc au Cameroun, je pense. C'est pour moi, c'est une équipe qui est ouverte, qui a des bonnes idées, des bonnes ambitions. Mais après, vous savez, le football a ses réalités. En 2016, toujours, du côté du Rwanda, on avait une équipe, je dirais aujourd'hui, qui avait l'harmonie. L'harmonie aujourd'hui, on a la majorité d'eux de cette photo, ils sont avec les Lions A. Ouais. Il y a des champions d'Afrique. Il y a Mohamed Djété, champion d'Afrique. Donc pour moi, c'est on a Frank Boya, Yangamalu qui est il y a Gwet Oum qui sont souvent appelés avec les Lions, alors les U23 et les différentes catégories. On a eu une très bonne équipe. C'est vrai que le parcours n'a pas été long comme nous l'avons souhaité. Éliminé malheureusement en quart de finale par la Côte d'Ivoire. Ouais, éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire. On avait une grosse satisfaction. Pour nous, c'était de nos objectifs en fait, c'était de remporter le CHAN. Mais après, on a été battu par la Côte d'Ivoire aux prolongations. Pour moi, c'est une photo qui va rester dans des archives, dans mes archives. Quand je vois cette équipe, je vois ceux qui sont partis de l'autre côté et qui sont revenus, comme Kale Mangamba qui est revenu à la maison à l'Union de Douala. Je pense que nous sommes les deux en ce moment qui sont les joueurs locaux qui évoluent encore au pays de cet effectif qui sont au pays. Donc c'est un grand plaisir de trouver, de voir les gars qui sont déjà de l'autre côté. Tout ce que je dirais, c'est que chacun a son tour et il faut toujours travailler, il faut persévérer. Voilà, c'est vrai qu'il y a des questions, hein. On trouvera le temps de prendre les questions en direct pour nos téléspectateurs qui nous regardent. On a votre gardien de but Loïc Feudjou qui est en direct également avec nous. Bonsoir Loïc, peut-être après Samy, on viendra à la maison voir comment est-ce que toi également t'es confiné. On a Olivier Eubia qui nous regarde et qui nous dit qu'il se souvient effectivement, il a encore ce but de 2016 en mémoire. On a Yvan Lopez, il nous regarde depuis la Thaïlande, effectivement, il est footballeur qui évolue du côté de la Thaïlande. Boundé, je ne sais pas si vous le connaissez, il est parti de Douala, ouais. Il évolue aujourd'hui du côté de la Thaïlande. Vous avez le bonsoir de monsieur Benjamin Tchatchou, qui dit courage. Benjamin. Mon fils. Après ceci, on se dit forcément Samuel Lin, c'est un talent qui va éclore et qui va partir du championnat camerounais parce que techniquement, tactiquement et personnellement, c'est un joueur quasiment accompli
qui va trouver fortune du côté de l'étranger. Ça ne se fait pas. Vous avez des sollicitations sur le plan local. C'est vrai qu'il y a, selon des rumeurs qui n'ont toujours pas été confirmées ou pas confirmées, Coton Sport a tout fait pour vous mettre le grappin dessus sans succès. Pourquoi Samuel Lane ne rêve pas d'aller à Coton? Non, vous savez, Coton, c'est une grande équipe au Cameroun. J'ai toujours dit que c'est une équipe qui mérite d'être champion. C'est une équipe que je respecte, c'est une équipe que j'aime. Parce que j'ai des collègues qui sont là-bas et c'est une grande équipe. Mais je suis dans l'Union de Douala, c'est parce que j'ai des affinités avec certains joueurs. Et les dirigeants aussi. Bon, les dirigeants, oui, mais pour moi, c'est je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je suis dans l'Union comme si je suis chez moi, dans mon salon, comme nous sommes là. Je suis satisfait, en fait, pour moi, d'être dans l'Union. Mais je ne vais pas terminer dans l'Union parce qu'il va falloir aussi que j'aille chercher ailleurs, comme on dit souvent. Et le plus important, vous savez, c'est de trouver, comment dirais-je, de trouver le meilleur. Mais après, je me sens bien dans l'Union pour le moment. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve demain. Et comme vous l'avez si dit, j'ai des propositions, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. J'ai plusieurs propositions, mais jusqu'ici, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. J'ai des objectifs à atteindre et je pense que cette année, pour moi, va être une année meilleure. Par la grâce de Dieu, c'est mon souhait. Mais je reste positif dans ce que je fais. 8 buts en championnat, déjà 6 passes décisives. Samuel Lane, l'Union commence bien la saison, mais en cours de saison, les choses ne se passent pas toujours très bien. À côté de cela, on a Union qui finit la phase aller 17e du championnat seulement avec 17 points après 17 matchs joués. Tout le monde estime que l'Union c'est cuit, c'est mort. Cette année, enfin, l'Union va descendre parce qu'il faut le rappeler. Vous parlez de légende dans le championnat camerounais. L'Union de Douala est le seul club camerounais qui, depuis la création, n'est jamais descendu et on se dit voilà, cette année ce sera peut-être cette année là mais derrière l'Union revient très fort, même d'ailleurs aujourd'hui 6 journées, 18 points à prendre, Union peut être champion du Cameroun. Où est-ce que entre vous vous êtes allé tirer la force pour revenir d'une telle façon dans le championnat? Et petite je vais trahir un secret, le coach Richard Toa dans son direct m'a dit, il s'est appuyé sur vous, Samuel Lane qu'il connaît, capitaine, pour remobiliser les troupes. Comment est-ce que le capitaine que vous êtes a fait pour aller permettre à ces joueurs de comprendre qu'il y avait quelque chose en jeu, il y avait l'honneur de l'Union à défendre? Ouais, ce n'est pas une histoire à compter, mais je dirais que c'est... Au début du championnat, nous avons eu un bon effectif. Et après, vous savez, comme le football a ses réalités, nous avons eu une équipe... je dirais moins mature et où il fallait renforcer les données. Le coach Wally Joe, à qui je profite, s'il nous regarde, je vais dire bonsoir, qui était là, qui faisait du bon boulot. Mmh. Mais après, vous savez, le football a ses réalités. Quand ça ne marche pas, c'est l'entraîneur. Quand ça marche, ce sont les joueurs. Donc, dans toutes les équipes au monde entier, c'est comme ça. Et le coach Wally, que je vais respecter parce qu'il a fait du bon travail avec nous. Et comme je lui avais dit, le football c'est comme ça. Quand ça ne marche pas, c'est sur le boss. On dit sur l'entraîneur. Conti, mais quand ça marche, on dit pas l'entraîneur, on dit les joueurs. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Je pense que le staff de l'Union de Douala a fait appel au coach Richard Toa qui est venu prendre l'équipe en main, où il a eu la capacité de faire appel à plusieurs joueurs qui maturent dans cette équipe. Oui, quand il est venu, j'ai eu une réunion avec lui dans son bureau. Il m'a dit, Samuel, j'aimerais qu'on prenne les choses en main. J'aimerais que tu me soutiennes pour qu'on hausse cette équipe. J'ai dit, coach, c'est une grande satisfaction d'abord que vous soyez là une fois de plus. On travaille ensemble. Je vous connais au moins, ça fait 10 ans aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir que vous revenez et puis qu'on écrive une histoire ensemble, comme vous l'avez toujours souhaité.
Aujourd'hui, c'est avec l'Union de Douala. Pourquoi ne pas? Donc, il a fallu que je remobilise les troupes et je rends grâce à Dieu parce que dans cette équipe, ma parole est crédible. Donc, ce qui fait en sorte que quand je dis aux gars que vraiment, il faut qu'on bosse pour qu'on mette l'équipe, on remette le moteur en marche. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait le boulot qu'il fallait. C'est vrai, quand le coach est arrivé, il a dit qu'on lui donne 2 mois pour qu'il remette la machine en marche. Je pense que les trois matchs où on a commencé avec lui, les 4 matchs, 5, il n'avait pas les résultats. Où il a dit, je pense qu'il a fait une déclaration où il a dit donnez-moi 2 mois et je remets les pendules à l'heure. Aujourd'hui, je dirais qu'il a fait le temps lui a donné raison. On lui a donné raison et comme on dit souvent, le temps lui a donné raison. Aujourd'hui, nous sommes en train de chasser le titre. Parce qu'il reste 6 journées de championnat. Nous sommes à combien de points du premier, à de Coton Sport. Nous sommes à, je dirais, pas loin de Coton Sport. Vous êtes à 4 points de Coton Sport. Nous sommes à 4 mais points. Mais à 7 points de PWDK leader. Nous sommes à 7 points du leader il y a 6 journées. Donc il y a 18 points encore à prendre. Il y a 18 points à prendre, imaginez. Donc rien n'est encore fait. Le rêve pour moi c'est d'avoir un titre avec l'Union de Douala. Je suis là depuis 2015, c'est vrai, j'ai pas encore eu de titre. Pour moi, si nous sommes champions cette année, je pourrais dire que la mission a été accomplie. Si c'est pas le championnat, ça pourrait être la Coupe du Cameroun. Oui, comme le coach Richard l'a dit, il veut avoir un titre sans arrogance aucune. C'est pas pour dire que les autres équipes sont pas, mais c'est d'abord l'orgueil personnel. Pour moi, ça serait une grosse satisfaction d'avoir ce titre avec le coach Richard. Parce qu'il a tant voulu que nous puissions avoir une clé dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, après l'Union sportive de Douala, cette saison toujours, il y a eu l'équipe nationale en prime, notamment cette image, Samuel Lane, qui a fait toutes les présélections avec le coach Yves Clément Aroga. Déjà, la première question, est-ce que tu t'attendais véritablement à être une pièce maîtresse de cette formation des en prime à l'arrivée de l'actuel entraîneur? Non, déjà à l'arrivée, je ne pensais pas être une pièce maîtresse. Et après, vu le travail que j'ai fourni en sélection, depuis le premier jour, comme je l'ai toujours dit, vous savez, le football, ce n'est pas seulement sur le stade. C'est l'extra et le sportif. Et j'ai su gagner cette confiance où je me suis toujours dit, il faut montrer à celui qui a ton boss que tu es un travailleur. Pour montrer à ton boss ce qu'il n'attend pas de toi, c'est-à-dire sortir de toi. Jusqu'ici, quand je suis arrivé en sélection, je me suis dit qu'il faudrait que je le fasse pour que le staff puisse me faire confiance. Jusqu'ici, aujourd'hui, je ne me reproche de rien. C'est vrai, je ne suis pas parfait, je suis un homme comme tout le monde, je peux avoir mes défauts. Jusqu'ici, je pense que j'ai bien travaillé et je mérite. Je mérite la récompense de mon travail. La récompense de mon travail, c'est grâce à l'Union de Douala que je vais en sélection. Et la récompense de mon travail, c'est d'être appelé par le sélectionneur quand je vais dans les stages, les différents stages, depuis le premier stage. Je dirais que c'est la récompense de mon travail. Donc, je dirais merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est un peu ça. Merci également à Steve Sina qui nous suit en direct. C'est un joueur tu connais très bien Steve. Vous êtes également très proche, vous avez travaillé longtemps avec Steve à l'Union sportive de Douala. Vous êtes chez les Lions après nous, vous avez fait des matchs de préparation. Vous avez marqué 4 buts en 6 matchs de préparation sur les 6 matchs que vous avez disputés avec les Lions après nous. On va quasiment dire que vous étiez prêt pour le Chan, mais le Covid-19 est arrivé et a tout arrêté. Il y a un ami Billy Outo du côté de Yaoundé qui me demande de te poser la question, qui essaie de savoir si aujourd'hui on reprogrammait le Chan pour la période de octobre ou novembre et que bien avant, durant le mercato estival, tu avais une proposition à l'étranger, quel serait ton choix? Rester jouer le Chan ou alors partir poursuivre une carrière beaucoup plus professionnelle? Ça, c'est une question. C'est une question Elle est difficile. Qui est difficile à répondre, mais je sais que j'ai la réponse interne. J'ai plusieurs propositions en ce moment.
vu les différents matchs amicaux qu'on a livrés avec la sélection. Et jusqu'ici, j'ai eu des invitations où j'ai été approché par certains clubs étant en sélection. On va peut-être pas débander les pays, mais sur quel continent ? En Afrique, en Europe ? En Europe, dans tout le continent, en Europe. Donc, il y a des propositions, mais la question est difficile, mais je préfère être professionnel. D'accord. Merci, on aura bien compris. Mais aujourd'hui, Samuel Lane, on l'a dit, en sélection nationale, vous êtes quasiment un cadre, vice-capitaine de cette formation. À ce niveau également, vous avez quelque chose à apporter aux côtés de vos confrères que sont Marco Jong, le capitaine, et Eta Bawa qui est venu derrière vous. Notons que vous étiez déjà dans cette formation à prime en 2016. C'est à juste titre que vous êtes vice-capitaine, même si beaucoup n'arrivent pas à se l'expliquer. On va rentrer sur un terrain qui est un tout petit peu difficile. Vous êtes un joueur de talent, ça on le sait. Mais est-ce que vous comprenez le fait que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux tirent sur vous, contre vous? Oui. Pour moi, si vous faites un travail et qu'il n'y a pas de critiques, ça ne servira à rien. J'adore les critiques parce que c'est grâce aux critiques que je me métamorphose. J'aime quand je fais quelque chose, peut-être je poste sur l'un de mes réseaux, sur un réseau, peut-être un réseau social. J'aime des critiques en fait. Peut-être sur ma page Facebook, il y a où je publie souvent certaines vidéos. Je préfère que l'on me dise, Samuel, j'aurais souhaité que à la place où il fallait faire X, tu devais faire Y. Là, ça me permet d'être encore plus bosseur, plus travailleur. En fait, vous ne pouvez pas faire un travail sans que ce travail soit critiqué. Je suis peut-être que nous sommes en direct sur Facebook. Il y a des gens qui sont en train de dire peut-être que non. Et l'émission, il faut plutôt peut-être mettre la caméra comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et ça, ça ne manque pas. S'il n'y a pas ça, c'est que ça, on ne peut pas faire une bonne émission. On ne pourra pas faire des bonnes choses. Donc, rien ne marche sans des critiques. Il y a le président de la République. C'est l'homme le plus critiqué du monde. Mais il s'arrange à satisfaire. Mais il ne peut pas tout donner. Il ne peut pas, tout le monde ne peut pas être satisfait. Ça, c'est clair. Même si aujourd'hui, il dit qu'il donne 5 000 à tous les Camerounais, il y a d'autres qui diront que 5 000 est petit. Donc, c'est une blague. Donc, pour dire que le travail que vous faites, personne ne sera satisfait de ça. Il y aura toujours et toujours des critiques. D'accord. On va, dans quelques instants, sortir de ce direct. On s'était dit 45 minutes. Je crois que nous sommes quasiment dans les temps avec notre ami Eric Martial Wakama à la caméra. On va dire merci déjà à Clovis Sonquin qui a réalisé le graphisme de la belle affiche qu'on a postée pour l'émission, qui lui merci. Également vous aime beaucoup, qui vous suit également, qui aimerait bien vous voir évoluer du côté de l'étranger. Quelqu'un posait la question. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a demandé si vous jouez déjà en Europe. Non, Samuel Lenn n'est pas en Europe. Il est au Cameroun, à l'Union Sportive de Douala. Il y a un autre téléspectateur qui a demandé c'est quoi les objectifs réels de Samuel Lenn. En fait, mon objectif cette année, c'est de quitter le Cameroun. C'est une grâce pour moi d'avoir joué le championnat. Pour moi, mon objectif majeur cette année, c'est de quitter le Cameroun. J'espère que grâce à Dieu, les choses iront bien parce que je suis en train de travailler avec tous ceux qui me suivent, qui sont en train de travailler sur mon dossier. Les choses avancent, mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, tout ira mieux. D'accord. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent à nos footballeurs. Non, posez vos questions. Samuel Lenn, les célibataires. Je ne suis pas. Il n'est pas marié. Je ne suis pas marié. Mais un cœur à prendre. Il y a beaucoup de dames qui nous suivent. Comme tout le monde, j'ai une petite amie. Ouais. J'ai une petite amie. Il faut être honnête. J'ai une petite amie. Papa déjà. Qui est en train de me soucier. Je suis un papa. C'est vrai que moi j'avais la réponse, mais pour nos téléspectateurs, il le fallait effectivement. Ouais. Désormais donc, c'est clair que avec les Lions à prime, c'est en stand-by avec l'Union de Douala. Est-ce que vous restez en contact, en communication avec le coach Yves Clément Roga, comme vous le faites déjà avec l'entraîneur Richard Toa? Oui, nous sommes en contact. Je suis en contact avec le coach Yves.
je suis en contact avec tout le staff. Nous sommes en contact pour on nous donne aussi le préparateur physique qui nous donne souvent le travail, les différents travaux à faire, étant même pour finir à la maison, qu'on respecte, que je respecte toujours. Donc nous avons un préparateur, un staff technique qui nous suit de près ou de loin. Nous travaillons, ils postent des ils nous envoient des messages pour, à suivre les travaux, les différents travaux que nous devons faire. Et je, comme j'ai dit, je suis professionnel, je reste professionnel et je fais ce travail. Ok, Samueline, c'est quoi jusqu'à présent en tout cas ta plus belle année ou alors ta plus belle saison sportive? 2015, l'Union de Douala. Ah, cette année-là, ouais. 2015 avec l'Union de Douala, parce que vous réalisez ce que personne n'attendait en fait. Vous vous retrouvez à un niveau, vous titillez coton sur le titre cette saison-là. C'est vrai qu'il y a malheureusement le match nul, la défaite à Garoua qui vous prive du titre. Et derrière ici, il y a le match nul contre New Star qui vous prive du titre. Même si dans ce match encore, vous marquez un somptueux. Ouais, c'est là que je marque mon 12e but. Le 12e but. Le 12e but en 12 matchs. Peut-être le dossard. Le 12 à 12. Parce que beaucoup se posent la question en fait, pourquoi je prends le 12 bon. Sur les différents, je pose souvent SN9. Pourquoi d'autres, les gens me disent, ils me demandent pourquoi choisir avoir choisi le 12. Donc c'est une question que moi je vais garder pour moi. Pourquoi tu veux garder le mystère pour vous-même? Je vais la répondre. Je saurai quand je vais la répondre. Je vais lancer un jeu concours. Je vais attendre les différentes réponses des autres et pour que je puisse. Quelqu'un gagnera peut-être un maillot. Oui, un maillot venant de moi, dédicacé. Oui, soit de l'équipe nationale, soit de l'Union de Douala, si je suis encore. Et c'est quoi votre plus grand regret? Sportivement, toujours. Oui, mon plus grand regret, c'est quand je suis allé en Égypte. En Égypte, parce que. On peut revenir sur cette aventure égyptienne? Je sais pas en fait. En Égypte, j'étais en Égypte avec le Feko Diallo où j'ai passé ces moments où je vais jamais oublier dans ma carrière. Mais après, c'est le football. J'ai eu un problème que tout le monde connaît déjà. Mais pour moi, ça a été, je dirais, je me suis confié à mon papa qui m'a dit. Et c'est pourquoi j'ai dit, le président Franck, c'est quelqu'un à qui je dois le respect. Quand je suis arrivé, la première des choses qu'il m'a dit, fils, c'est maintenant que tu dois me montrer que tu es un homme. Ils ont dit, tu dis quoi? Prouve-le-moi maintenant. C'est le seul mot qu'il m'a dit. J'ai eu le soutien du coach Richard, j'ai eu le soutien de mon papa. Ou en fait, le premier, quand je rentre même de l'Égypte, le même soir quand je suis arrivé à l'aéroport, J'ai eu une masse. Ouais, des supporters, on s'en souvient, beaucoup de supporters de l'Union avec des t-shirts verts. Lui qui portait mes t-shirts pour me soutenir. Et dans cette affaire, je me suis révolutionné parce que la majorité de personnes m'ont soutenu. Et oui, sans oublier mon grand frère Soulé, Bepandefo, qui mérite mon cœur, parce que ce grand frère, je ne le connaissais pas, mais il m'a dit, fils, j'aime ce que tu fais, tu es passionné, mais ferme les oreilles et mets-toi au travail. C'est vrai que tu parles de l'Égypte, beaucoup ne savent pas trop ce qui s'est passé de ce côté. Est-ce qu'on peut revenir effectivement pour parler de cette histoire, ou simplement se dire, il y avait... Pour rappeler quelques faits, tu étais parti du côté de Al Ittihad où tu devais normalement signer un contrat de qualité pour le talent et le footballeur que tu es. Malheureusement, de ce côté, on a tenté de te flouer. Tu n'as pas accepté qu'on se joue de toi et des dirigeants de l'Union Sportive de Douala. On a inventé une histoire pour te salir. Mais derrière, je pense que justice a été faite puisque la CAF a sanctionné ce club qui a dû payer très cher. Ouais, ils ont payé très cher, très très cher même. Après, comme on dit souvent, je ne dors. Ouais. Il a fallu que qu'on éclaircisse la chose. Et je pense qu'aujourd'hui, justice a été faite. Il y a eu gain de cause. Donc,
aujourd'hui. C'est derrière toi désormais. Ouais, c'est derrière. C'est du passé en fait. C'est du passé. J'ai eu le nouveau président de Al-Ittihad, qui est président du club d'aujourd'hui, qui m'a demandé ses excuses. Super. Où il y a les supporters aussi du club qui m'ont fait des différents messages où ils étaient dans le stade, ils chantaient mon nom pour me demander pardon. Mais comme on dit souvent, on pardonne mais on n'oublie pas. J'ai pardonné, mais ça restait dans mon cœur parce que c'est ma vie en fait. C'est ma vie, vous savez, l'homme peut tout accepter, mais pas perdre sa dignité. D'accord, on va dire bonsoir à Nounous Moser qui demande c'est quoi le Facebook du joueur. Bonsoir également à Gauthier Picarlet qui nous regarde depuis l'Italie. Bonsoir également à votre ancien capitaine qui est en direct, qui nous regarde en direct, Gustavo Mundi. Bonsoir Capi. Grand capitaine qui est... La caboulerie. Bien en direct. Un grand frère vraiment à qui je dois tout de respect vraiment. C'est... Pendant longtemps, il a été le patron des troupes à l'Union Sportive de Douala. Il a été, c'était un exemple à suivre. C'est l'un des capitaines avec qui j'ai joué, qui je dois tout le respect, tout le respect. Donc, félicitations, Capi, où tu te trouves. Courage à toi. Voilà, on va sortir définitivement de ce programme. On va dire bonsoir et merci à Désiré Dikoumé qui nous a suivis en direct. Merci également à Joe Eboussi, le papa du footballeur Eboussi du côté des États-Unis d'Amérique qui nous a regardé également en direct. Bonsoir donc à tous les amoureux lituanes et litouans qui ont suivi ce programme, qui tenaient à suivre Samuel Lane. Samuel Lane, bon gré mal gré, est la star de ce championnat. Il ne se passe pas une journée. Si vous le dites, si vous le dites. Lane, quand Lane joue, on parle de Lane. Quand il ne joue pas, on parle toujours de lui. C'est dit que c'est un joueur qui a beaucoup à donner dans ce championnat, qui a d'ailleurs beaucoup donné pour ce championnat. C'est vrai que ce serait avec regret de te voir partir de ce championnat, mais on serait fier et heureux de savoir que tu es parti effectivement de ce championnat à qui tu as tout donné, et surtout principalement à l'Union Sportive de Douala pour te retrouver d'ailleurs. Déjà beaucoup veulent que je parte parce que j'ai les différents messages venant des supporters, de mes fans qui disent qu'ils ne veulent plus que j'évolue. Tout ce que je peux leur dire, c'est que... Et tu évolues au Cameroun. Oui, que je n'évolue plus au Cameroun en fait. Tout ce que je leur dis souvent, le temps de Dieu reste le temps de Dieu, et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Donc, comme je dis souvent, je suis professionnel, je sais dans ma tête que je suis professionnel et je reste professionnel. Juste je vais éclaircir un truc, c'est que moi, je suis objectif. Et je sais, par la grâce de Dieu, je serai professionnel. C'est mon souhait, c'est vrai, aujourd'hui tout le monde dit peut-être j'ai des millions, mais pas encore. Que je ne pense plus à être professionnel parce que j'ai tout ce que je veux, c'est pas le cas. Mon objectif majeur cette année, c'est de sortir du pays et avoir un bon club à l'étranger. D'accord. On va dire bonsoir également à un grand frère jongleur de luxe qui attendait avec impatience ce direct, lui qui est du côté de Aqua à Dubaï. Jongleur de luxe, bonsoir à toi. J'espère enfin que tu as pu suivre ton avant-centre vedette. Et je profite de ton geste avec ce geste pour te demander, ce serait quoi ton conseil à l'endroit des Camerounais concernant le coronavirus? C'est vrai qu'il faut rester à la maison, il faut utiliser ce gel désinfectant. Ce serait quoi ton message à l'endroit de tous les Camerounais par rapport à cette situation-là? Oui, il y a plusieurs règles qui ont été mises par le gouvernement. Avoir apporté un masque, tousser dans le coude et avoir toujours un mouchoir quand vous éteignez, vous le mettez directement dans la poubelle. Surtout avoir un gel comme je l'ai fait tout à l'heure, ouais. Je vais le refaire toujours. Pour les téléspectateurs. Se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, avoir un gel désinfectant pour se désinfecter les mains. Donc pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, faudrait qu'on reste vigilant, qu'on soit gardien de nous-mêmes, c'est important. Et éviter les rassemblements massifs. Voilà, rester à la maison, une sortie que quand c'est nécessaire. Ouais, sortie quand c'est nécessaire. Voilà, c'était donc, on espère, amis téléspectateurs, que vous avez écouté, que vous allez mettre en pratique ces règles à nous conseillées ce soir par Samuel Lenoladi, capitaine de l'Union Sportive de Douala, actuel vice-capitaine des Lions Indomptables A', qui a cœur ouvert, s'est confié à nous. C'est vrai qu'il y a longtemps que beaucoup attendaient
d'écouter Samuel Lane sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, il l'a dit, il l'a parlé, le cœur ouvert, il n'a rien caché, il a tenu à être honnête, mais surtout professionnel envers vous, téléspectateurs. Je pense que désormais, vous savez tout de ce qui est sujet autour de l'attaquant vedette de notre championnat camerounais, Samuel Lane, à qui on va dire merci une fois de plus de nous avoir ouvert les portes. C'était un plaisir. Si l'occasion se présente, pourquoi pas, on reviendra. Peut-être pas dans le confinement, à l'issue d'une belle saison avec l'Union, à l'issue d'un très joli chant, pourquoi pas, avec le Cameroun, ou alors comme le coach Richard Touam nous le dit. Pour avoir une place de titulaire à l'équipe nationale senior du Cameroun. Il vous l'a déjà dit ou pas? Si, il me répète ça tous les jours. Il me répète ça tous les jours. Il me dit... Vous y croyez? Si, j'y crois. L'homme. Mais après, ça dépend. Vous savez, ce poste, c'est pas un poste qui est facile. Il y a des joueurs professionnels qui je respecte. Vous savez, quand tu es professionnel, c'est pas de la blague. Donc, je suis un joueur local, c'est à mon poste, c'est très dur. Pour moi, c'est pas un regret. Peut-être quand il y a les différents quartiers, les lions qu'on appelle et que je suis pas là. Au contraire, il faut que je me transcende pour travailler toujours. Je vous jure, moi, je dis souvent, ce quand on ne m'appelle pas, on dit non, je mérite. C'est vrai, mais respecter celui qui est professionnel. D'accord. C'est vrai que sur tes statuts, sur les réseaux également, quand tu n'es pas en maillot de foot, tu es très souvent en maillot de basket. C'est ton deuxième sport? Oui, j'adore le basket. J'aime regarder le basket. Je pratique souvent le basket. Un basketteur préféré? C'est Kobe Bryant qui est mort, c'est vrai. Paix à son âme. C'est lui que je suivais beaucoup. Donc j'aime souvent le basket. Et c'est après le football, quand j'ai l'occasion, je fais souvent du basket. D'accord. C'est vrai que tu es Samuel Lane, mais est-ce que tu as une idole en tant que footballeur? Oui, j'ai deux joueurs que je suis. Il y a Samuel Eto'o et Ronaldinho que j'ai pour moi le meilleur joueur du monde. Ronaldinho. Merci bien, vous savez désormais tout. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi Samuel de nous avoir reçus. Retrouvons-nous très bientôt sur les antennes de l'ACI Média pour une autre émission de Confiné Tour à Tour. On vous diffusera et on communiquera sur le nom du prochain invité. On était avec Samuel Lane, mesdames et messieurs. Bonsoir et à très bientôt.